Le Shiba Inu est une race japonaise installée depuis des milliers d'années. Le Shiba est une race de chien originaire du Japon. C'est un chien de petite taille de type Spitz. Race très ancienne, le Shiba a failli disparaître au début du XXe siècle, en raison de la concurrence des chiens de chasse anglais. Au premier coup d'œil, le pelage duveteux du Shiba Inu et sa petite taille font de lui un chien de compagnie idéal pour de nombreux amis des animaux. Pourtant, partager la vie de cette belle race de chiens japonaises exige de connaître les bases en matière d'éducation et de sport canin. En japonais, Shiba Inu signifie simplement « petit chien ». En effet, le Shiba Inu, pouvant peser jusqu'à 13 kg, est la plus petite race de chiens japonais parmi les 6 reconnues par la FCI. Les oreilles triangulaires du Shiba Inu, tournées vers l'avant, représentent sa principale caractéristique physique et soulignent l'expression attentive de son visage. Selon le standard de la race, la queue du Shiba Inu doit être dense en poils, enroulée et reposée sur son dos. Le pelage court de ces chiens de taille moyenne peut prendre les couleurs roux, noir et feu, ou sésame. On entend un mélange de poils roux et noirs. Toutes les couleurs de robe devraient présenter. Des poils blancs que l'on retrouve autour de sa gueule, sur son cou, son poitrail, son ventre ainsi que sur la partie inférieure de sa queue et sur l'intérieur de ses pattes arrière. Dans l'ensemble, le Shiba Inu a une apparence primitive, qui rappelle celle des renards, particulièrement chez les chiens Shiba Inu roux. Les Shiba Inu ont un caractère bien trempé. En effet, ces chiens indépendants ont du mal à se soumettre aux ordres. Rajoutez à cela un comportement territorial, une passion pour la chasse et un tempérament méfiant envers les inconnus, qu'il s'agisse d'humains ou d'autres chiens. Le Shiba Inu est un bon chien de garde, qui aboie rarement sans raison valable. S'il a été sociabilisé correctement dès son plus jeune âge, il pourra également bien s'intégrer au sein d'un groupe et prendre du plaisir à côtoyer des congénères. Malgré sa nature indépendante, il peut créer des liens forts avec sa famille et même devenir très sociable, s'il est sociabilisé dès son plus jeune âge. À condition d'avoir été habitué à leur présence très jeune, le Shiba Inu se lie d'amitié principalement avec les animaux qui appartiennent à sa famille. Bien que ce ne soit pas un chien de berger, il partage certaines qualités appréciées chez ses chiens. Telles que son intelligence, sa vivacité et fidélité, ceux qui se lient d'amitié avec un Shiba Inu peuvent être sûrs de toujours avoir un compagnon fidèle et affectueux à leur côté. Qui marque des points de par son caractère vigilant mais à la fois curieux. Même débordé d'occupation, un Shiba Inu restera toujours calme et vigilant, sans se montrer énervé. Ce n'est qu'ainsi que vous serez en mesure d'entraîner avec succès un chien de cette race. Car ce compagnon indépendant ne manifeste presque jamais la volonté de satisfaire son maître et se considère comme le meilleur chef de troupeau, à moins que vous ne puissiez lui prouver le contraire. C'est la raison pour laquelle l'éducation du Shiba Inu exige beaucoup d'empathie, d'expérience, de la constance et enfin et surtout, beaucoup de patience. Incertitude, incohérence ou mauvais traitement? Le Shiba Inu se souvient de tout cela et ne voudra plus vous obéir si vous vous comportez de la sorte. Il faudra alors affronter son comportement particulièrement dominant. Cependant, si vous répondez à ses exigences et que vous pouvez guider votre Shiba Inu clairement, vous n'aurez aucun problème avec son éducation.
Une socialisation intensive est particulièrement importante pour cette race, à l'âge de chiots et de jeunes chiens, afin que les chiens de race Shiba Inu adultes puissent tolérer d'autres chiens. De plus, ce chien a un tempérament de chasseur et peut avoir un instinct naturel de pointer. En raison de cet instinct de chasse développé, il n'est pas toujours possible de laisser votre toutou se promener sans laisse. Vous devez pouvoir reprendre le contrôle de votre chien à tout moment, ce qui exige un entraînement conséquent. Si vous êtes tombé amoureux de la race et que vous remplissez toutes les conditions préalables pour l'adoption de ces chiens japonais, mettez-vous à la recherche d'un éleveur de chiens de la race. Faites une croix sur les offres de chiots sans pédigrée, car seul ce document vous assurera un chien de race pure. Assurez-vous que l'éleveur fasse partie d'une association, qui est en général un gage de sérieux. Les chiens reproducteurs de l'élevage doivent alors remplir les critères obligatoires pour faire partie de l'élevage, comme des critères de santé et des caractéristiques propres à la race. Le Shiba Inu est un chien dynamique de taille petite à moyenne, qu'il sera nécessaire de nourrir avec un aliment riche en protéines de qualité. Ce chien est prédisposé aux problèmes articulaires. Dans ce cas, il est possible de lui donner un aliment permettant de maintenir le bien-être des articulations. Le Shiba Inu peut aussi être sujet à certains problèmes cutanés. Des croquettes riches en oméga 3 permettront de réduire l'inflammation et les effets associés. Chiot, il sera important d'apporter à votre chien une alimentation adaptée à sa croissance. Maladie courante Shiba Inu. Ce petit chien aux allures de renard est particulièrement résistant et tombe rarement malade. À l'image de nombreux autres chiens, le Shiba Inu est concerné par certaines maladies à prédisposition raciale. Quelques maladies rencontrées chez le Shiba Inu, dysplasie coxofémorale, syndrome uvéocutané. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.